En gros, un cours de formation aux études culturelles à partir des grands textes de la tradition critique. Il va falloir lire chaque semaine deux articles qui peuvent être parfois assez longs. Et il va falloir presque toutes les semaines faire un papier en français. Et donc, en fait, après quelques semaines, on a d'abord un très bon français, ça c'est la première chose, un très bon français écrit. On a une bien meilleure capacité d'analyse et d'attention au texte. Et puis, bien évidemment, on a une connaissance des principales traditions critiques. Dans le séminaire du second semestre, qui est donc enfin, le cours d'approfondissement, on va lire en gros une petite quinzaine de grands textes, mais le choix de ces textes va s'orienter, et principalement pour la deuxième partie de ce semestre, va s'orienter autour des questions posées par les mémoires. Et donc en général, on a une séance où il y a un texte qui est un texte théorique majeur pour le mémoire en question, le mémoire de l'étudiant, et après, la seconde partie de la séance est en général consacrée à la présentation du travail de l'étudiant. Ce qui permet aussi, ce qui permet alors à la discussion d'être plus approfondie.